Buenos días para todos. Como usted mismo lo sabe, que estamos en periodos de la crisis sanitaria. Entonces, el uso del barbero es obligatoriamente y tenemos que respetar la distanciación social y también tenemos que coser muy bien los alimentos, toser en el hueco del codo. Hoy nosotros vamos a ver nuestras clases del nivel terminal A. Aquí tenemos tema la obligación, el título la obligación personal y impersonal. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la obligación? En français veut dire qu'est-ce que c'est l'obligation? La obligación es la exigencia que impone a realizar algo. Entonces lo que yo quiero que al final de la lección los alumnos de la TEA sean capaces de reconocer los dos tipos de obligación. Bien, donc nous disons ceci, que aujourd'hui nous allons voir le cours de l'obligation. Existe dos tipos de obligación. Hay obligación personal y la obligación impersonal. Entonces, vamos a desarrollar. Ahora yo voy a desarrollar. Yo voy a empezar primeramente por la obligación impersonal. Vamos a desarrollar la obligación impersonal. La obligación impersonal expresa una verdad válida para todos. Veut dire l'obligation impersonnelle exprime une vérité valable pour tous. Elle est rendue en espagnol par hay que. Donc, l'obligation impersonnelle a une formule connue de tous, rendue en espagnol par hay que. Hay que más infinitivo. Aquí tenemos la fórmula de la obligación impersonal. Hay que más infinitivo. Entonces le voy a dar un ejemplo que es muy fácil. Ejemplo. Dos puntos. Al inicio, yo le había dicho que hay que usar el barbero. Entonces vamos a ver si la fórmula está correcta. Hay que. ¿Qué es lo que me hace falta aquí? Más. El más van a determinar el infinitivo. Más infinitivo. Hay que usar el barbero. En français, il faut utiliser la bavette. Donc, nous avons ici le hay que plus l'infinitif. L'infinitif, c'est le verbe usar. Usar, c'est utiliser. Usar ici, c'est le verbe de la première conjugaison parce que ça se termine en AR. Deuxième exemple.
A ike. Respectar. Las mujeres. Il faut respecter les femmes. Troisième exemple. Hay que respectar la naturaleza. Hay que respectar la naturaleza. Podemos seguir. Puedo añadir aquí como el cuarto ejemplo. Hay que lavar las manos antes de comer para evitar la enfermedad COVID-19. Hay que lavar las manos antes de comer. Hay que lavar las manos antes de comer. En français quiere decir, il faut laver les mains avant de manger. On peut même dire ici même, on peut même mettre S. On peut dire, hay que lavarse las manos antes de comer. Là maintenant, quand nous allons mettre SE, c'est devenu maintenant un verbe pronominal. Parce que le pronom complément est venu soudé à l'infinitif de ce verbe. Donc, il faut se laver les mains avant de manger. Voilà. C'est pas seulement avec le haïké. C'est pas seulement avec le haïké. On peut aussi utiliser 5 formules. Et je vais les mettre au tableau avec les exemples. En dehors de haïké, on peut aussi rendre par est-ce nécessaire? Suivez bien. Est-ce nécessaire? Aquí yo tengo que poner fórmula. Hay ese porque habrá bastante fórmula. La primera fórmula está aquí. Más el infinitivo. La segunda. Es preciso. Más infinitivo. La tercera. Es menester. Más infinitivo. ¿Es obligatorio? ¿Es obligatorio más infinitivo? Y aquí vamos a completar. Hace falta más infinitivo.
en qui insta la formule de obligation. Non est nécessaire nada más utilizar a ce falta. Podemos utilizar también es necesario, es preciso, es menester, es obligatorio a ce falta. Et tout ça est rendu en espagnol, en français par il faut. Parce que dans une langue étrangère, on doit éviter de faire la traduction directe. Là, es necesario, mas infinitivo, en français, il faut, plus infinitif. Es preciso, mas infinitivo, il faut plus infinitif. Es menester. En français, c'est toujours il faut plus infinitif. Regardez bien ici. Es menester. Nous allons maintenant passer aux exemples. Suivez bien ces exemples. Ejemplo. Ejemplo. Deux puntos. Nous allons d'abord commencer. Est-ce nécessaire? Avec est-ce nécessaire, on peut dire est-ce nécessaire respecter la distanciation sociale? Y entonces después usted va a traducir eso en francés. Para ver si está comprendiendo muy bien lo que estoy impartiendo aquí. Es necesario respetar la distanciation sociale. Est-ce nécessaire respecter la distanciation sociale? On doit éviter la traduction directe d'une langue. Voilà maintenant comment je vais traduire ça. Il faut respecter la distanciation sociale. Même si on a écrit obligatorio. Mais la traduction, c'est toujours il faut. Parce que ici, là, nous sommes sur l'obligation impersonnelle. Parce que l'obligation impersonnelle n'a pas un sujet connu. Deuxième exemple. Bamo Aburaraki. Deuxième exemple. Est-ce précis? Est-ce précis? La barre, c'est las manos antes de comer. La traduction en français, il faut se laver les mains avant de manger. Donc, est-ce necesario? C'est presque la même chose avec hay que. Nous allons prendre maintenant avec hace falta. Hace falta plus infinitif. Hace falta levantarse.
muy temprano. Hace falta levantarse muy temprano. Il faut se lever très tôt. Nous allons passer maintenant avec menester. Est-ce menester estudiar l'idioma espagnol? Il faut étudier la langue espagnole. Voilà. Mais attention, il y a de ces verbes qu'on peut aussi utiliser à n'importe quel temps. Je vais vous donner un exemple de trois verbes. Si je peux effacer ici, voy a borrar aquí. Nous pouvons dire haber. Nous avons haber et nous avons hacer et nous avons le verbe ser. Haber ici, on met entre parenthèses ay. Hacer entre parenthèses hace. Et ser ici entre parenthèses es. Nous allons maintenant utiliser ces verbes-là, soit à l'imparfait de l'indicatif. Parce que beaucoup d'apprenants pensent qu'on utilise toujours le présent de l'indicatif. Non. Ejemplo. Dos puntos. Había que lavarse las manos antes de comer. Había que lavarse las manos antes de comer. Voilà la traduction en français. Il fallait se laver les mains avant de manger. Là, le verbe haber, je l'ai conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Mais attention, on doit toujours mettre l'accent grammatical. Ça, c'est pas l'accent tonique, ça, c'est l'accent grammatical qui nous sert à différencier un mot qui se prononce de la même façon, mais la structure grammaticale diffère. Je passe maintenant avec hacer. Je passe maintenant avec hacer. Hacer. Hacía. Ah, nous allons mettre la lettre majuscule. Hacía. Toujours avec l'accent grammatical. Hacía falta usar el barbero. Hacía falta usar el barbero. Obligatoire la bavette. Il fallait porter la bavette. Il fallait porter la bavette. Avec ser, nous allons maintenant dire era necesario levantarse a tiempo. Era necesario
respectar. Las, ou on peut mettre los profesores ou las mujeres. Il fallait respecter les femmes. Voilà, parce que sont nos mamans. Voilà, maintenant, nous allons maintenant passer au grand 2, l'obligation personnelle. Qu'est-ce que c'est l'obligation personnelle? Deux points. Je vais maintenant vous expliquer l'obligation personnelle. L'obligation personnelle a un sujet connu de tous. Rendu en espagnol, la obligación impersonal tiene un sujeto conocido para todos el mundo. On peut utiliser je, tu, il, nous, ça dépend. Mais attention, l'obligation personnelle a un sujet connu de tous et a une formule. Quelle est la formule de l'obligation personnelle? La formule de l'obligation personnelle, tenir plus infinitif. Je vais effacer ici. Je vais maintenant mettre grand 2. Bueno, como nosotros hemos acabado con la primera parte, entonces ahora vamos a empezar con la segunda parte. La segunda parte está aquí. La obligación personal. Donc, nous allons maintenant voir l'obligation personnelle. Et l'obligation personnelle tiene un sujeto conocido para todo el mundo. Y entonces aquí nosotros tenemos la fórmula. La fórmula está aquí. La primera fórmula. Tenemos tener que más el infinitivo. Tener que más el infinitivo. Y entonces, usted tiene que saber que aquí tener es un verbo. Este verbo tenemos que conjugar. C'est ce que nous avons dit au préalable, que l'obligation personnelle a un sujet connu. La première formule, c'est tener que plus infinitif. On doit d'abord conjuguer ce verbe, soit au présent de l'indicatif. Presente del indicativo. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tiene, más, tienes. Entonces, tengo que. Tiene que, tenemos que, y aquí, que. Más el infinitivo. Voy a dar ejemplo. Ejemplo, dos puntos. Tengo que usar el babero. Je dois porter la bavette. Tengo
que Oussard, El Babéo. À qui la formule nous dit c'est tenir que masse est l'infinitive. Tenir que masse est l'infinitive. Entonces, à qui tenons un souhait connu? À qui est la première personne du singulier? Je dois porter la bavette. Si tu quieres, podemos utilizar tenemos, la primera persona del plural. Nosotros tenemos que usar el uniforme de classe. En français signifie nous devons porter la tenue scolaire. Ici, podemos utilizar. Ici, là, nous pouvons utiliser usar ou poner. Voilà, ça c'était d'abord la première formule. Nous allons maintenant passer au deuxième. Est-ce nécessaire que mas el suntibo presente? Est-ce nécessaire que mas el suntibo presente? Suivez très bien. Est-ce nécessaire que mas el suntibo presente? Nous allons maintenant passer à un exemple. Aquí tenemos ejemplo. Dos puntos. Es necesario que el verbo que sigue debe ser al presente. El verbo que sigue debe ser al presente. Del suntivo, presente. Mais nous devons savoir que le subjonctif présent ici est conjugué à base de ses terminaisons. Tous les verbes terminés en AR font leur terminaison en E. ER, IR en A. Entonces, à qui la formule nous dit c'est est-ce nécessaire que mas el suntivo? Ici, là, le verbe, nous allons mettre le verbe usar. Est-ce nécessaire que usar? El babero. Que usar? Beaucoup se demandent pourquoi on a mis usar. Parce que ici, là, le verbe, c'est maintenant, le verbe vient maintenant au subjonctif présent. Tous les verbes terminant en AR font leur terminaison en E, en ER et IR font leur terminaison en A. Comme le verbe usar, c'est un verbe de la première conjugaison, ça se termine en AR. C'est pour cette raison qu'ici là, j'ai utilisé usar. Est-ce nécessaire que usar el babero? Deuxième exemple, nous passons a es preciso. Es preciso que ponga. Es preciso que ponga el uniforme. Est-ce nécessaire que ponga el uniforme? Pourquoi on a mis ici ponga? Alors le verbe, c'est le verbe poner. Poner parce que ça se termine en ER,
Et c'est un verbe irrégulier parce que ce verbe change. Et tous les verbes terminés en ER font leur terminaison en A. Comme c'est le subjonctif présent. Le subjonctif présent nous dit ceci. Veuillez m'excuser, je dois d'abord vous expliquer un peu le subjonctif présent nous dit ceci. Quand la première personne du présent de l'indicatif est irrégulière, on doit retrouver cette irrégularité à toute personne du subjonctif présent en respectant les terminaisons. Par exemple ici, toujours avec le verbe poner, poner au présent de l'indicatif, pongo, pone, pone, ponemos, poneis, pone. Maintenant, ici, là, je prends la première personne pour le faire passer au subjonctif présent. Ponga, parce que ça se termine en ER, terminaison A. Pongas, ponga, pongamos, pongais, pongan. Voilà, ça est là. C'est pour que ici j'ai mis es preciso que ponga el uniforme de clase. Nous passons maintenant avec obligatorio. Que es obligatorio que respecte las mujeres. Es obligatorio que respecte las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Es obligatorio respetar. Es obligatorio que respetemos las mujeres. Es obligatorio que respectemos. Es obligatorio que respetemos.